Pratiquer les activités socio-culturelles et sportives, c'est l'option choisie par les populations d'Abobo et de Yopougon pour réinstaller la paix et la cohésion sociale dans ces communes. Les élèves aveugles et malvoyants ont démontré leur savoir-faire. C'était au cours de la journée porte ouverte de l'Institut de réhabilitation et de formation des aveugles du Mont-Carmel. Et puis, ce sont exactement 11 800 casques bleus qui viendront en renfort fin septembre aux forces déjà présentes en Centrafrique. Une décision adoptée hier par le Conseil de sécurité de l'ONU. 12h30, c'est l'heure du journal sur RTI2. Bonjour à tous. Sachez à l'entame de cette édition que le président gabonais Ali Bongo Ondimba effectue une visite de travail et d'amitié ce 11 avril en Côte d'Ivoire. Ce 11 avril également marque la troisième année de reconstruction de la Côte d'Ivoire après les dégâts de la crise post-électorale. Les Ivoiriens s'en souviennent encore et singulièrement le collectif des victimes de guerre qui organise ce jour un colloque. Plus de détails dans nos prochaines éditions. Et parlons de chantier de reconstruction du pays, figure en bonne place la cohésion sociale, une valeur que veulent promouvoir par le sport et la culture les jeunesses d'Abobo et de Yopougon. On en parle avec Cynthia Saori et Franck Kwadio. Abobo, Yopougon, deux communes fortement touchées par la crise post-électorale qu'a connue la Côte d'Ivoire. Après des moments de difficulté, l'heure est à la réconciliation. Un projet, le PARS, projet d'appui à la réconciliation et à la cohésion sociale des populations des communes d'Abobo et Yopougon pour panser les blessures. Le coût, 268 millions de francs CFA et l'objectif, rapprocher et favoriser le vivre ensemble entre les différentes communautés à travers des activités fédératrices. La culture et le sport sont de puissants facteurs de cohésion sociale. Et c'est pourquoi, à partir de ce projet, nous voulons amener les populations à se mettre ensemble. Et nous pensons qu'en les mettant ensemble, cela peut contribuer à les rapprocher, à renforcer les liens et donc à contribuer à la cohésion sociale. Un projet qui suscite l'engouement, population et autorité apprécient. Nous encourageons nos deux populations à se regrouper et à travailler ensemble. Parce qu'en travaillant ensemble, il y a une cohésion sociale. C'est l'amour. Les activités de ce projet, qui sont des activités sportives et culturelles, rassemblent les populations. Et c'est au cours de ces rencontres multipliées entre les populations qu'on renforce davantage la cohésion sociale. Le projet d'appui à la réconciliation et à la cohésion sociale dans les communes d'Abobo et Yopougon sera réalisé sur une période de 30 mois, de janvier 2014 à juin 2016. Quelle est l'importance des activités parascolaires dans le programme des élèves du secondaire? C'est l'une des préoccupations majeures qui a conduit notre équipe de reportage au Collège Moderne de Cocody. Déborah Olapadé et Franck Kwadio sont allés à la rencontre de ces élèves qui se regroupent à dizaines en tenant compte des passions et autres affinités. Regardez. Mercredi 12h30, heure à laquelle les cours doivent normalement prendre fin dans les lycées et collèges. Tandis que certains élèves regagnent leur domicile, d'autres par petits groupes préfèrent s'adonner à quelques activités. Ce sont souvent les clubs de musique, de santé, de chorale et de danse. La cuisine, c'est aussi un sujet qui intéresse bien les élèves dans les clubs. Ces clubs, il en existe dans la quasi-totalité des écoles ivoiriennes et la participation est généralement volontaire. Ils contribuent à l'adaptation scolaire et sociale des élèves qui y participent. Les activités extrascolaires sont très importantes pour les élèves. Ça développe en ces enfants-là un esprit d'éveil. Les enfants sont éveillés. Ils prennent facilement la parole dans n'importe quel milieu. Vraiment, ça les prépare à leur insertion dans la vie future. Dans la vie courante, ça nous aide des fois, à parler avec nos mères, à la maison, à les aider, à concocter des plats. À la fois ludique et éducative, les activités extrascolaires permettent aux élèves timides de s'extérioriser. Elles canalisent en revanche ceux des plus bruyants car ils choisissent l'activité ou le sport à exercer en fonction de leur passion.
Eux, par contre, n'ont pas la passion en commun, mais plutôt un handicap. Ils sont soit non-voyants ou malvoyants. Eux, ce sont les pensionnaires de l'Institut de réhabilitation et de formation des aveugles du Mont Carmel. Ils ont fait montre de leur savoir-faire au cours d'une journée porte ouverte appréciée. Une mélodie d'Action de grâce jouée par main de maître par Ange Arnaud, pensionnaire de l'Institut de réhabilitation et de formation des aveugles du Mont Carmel, IRFAM. Une aptitude au clavier qu'il a acquis après quelques mois de formation à l'Institut. Comme lui, une quinzaine d'autres jeunes aveugles ou malvoyants sont également formés dans ce centre pour aveugles créé en 2000 par le frère Kassi Aka Philippe. Il y a deux jeunes en 2001 qui étaient venus me voir. Ils avaient fini l'Institut des aveugles de Yopougon et ils ne savaient pas que faire. C'est ainsi qu'on les a recueillis à la maison. Ils sont restés pratiquement 2 ans et après, malheureusement, il y a un qui était décédé, il y a un qui est resté. Il s'appelle François, aujourd'hui il est marié, il a une ferme. C'est après ça qu'on a commencé à accueillir d'autres en 2004. Cependant, tout n'est pas rose à l'IRFAM. Il faut approvisionner le centre en vivres et non-vivres pour une meilleure prise en charge des pensionnaires. De plus, les locaux devenus trop exigus ne peuvent accueillir davantage de déficients visuels. Nos moyens ne sont pas vraiment adaptés et que nos moyens sont un peu limités. Donc s'il y a des personnes de bonne volonté qui souhaiteraient aussi nous aider pour qu'on augmente le nombre de bénéficiaires. Un SOS donc des responsables de l'Institut de réhabilitation et de formation des aveugles du Mont Carmel qui entendent aider à l'insertion socio-professionnelle d'un grand nombre de non-voyants en Côte d'Ivoire. C'est l'heure à présent de la page culture marquée cette semaine par le marché ivoirien de l'artisanat, le MIVA. Une exposition au cours de laquelle le riz local Mayo a été valorisé par les représentants de la région de la Nawa, Sidonie Davila et Alexis Awedraogo pour le reportage. Du riz produit en Côte d'Ivoire répondant aux normes du commerce international, c'est le produit vedette du stand de la région de la Nawa au MIVA, le marché ivoirien de l'artisanat. Le riz produit dans les rizières du village de Mayo est un produit bio. Né de la volonté de promoteurs ivoiriens, le riz Mayo 8 à 9 est d'excellente qualité. Il y avait un pénurie de riz où le villageois payait le kilo de riz à 500 francs au village. En tant que fils de la région, j'étais vraiment indigné. Et il y a eu un sursaut d'orgueil. On a constaté qu'il y avait un bas-fond aménagé par notre père Charles Bouzard d'Envahi, malheureusement qui n'était pas exploité par les villageois. Et c'est comme ça, avec des amis, on a eu l'idée de faire une entreprise pour faire la production de riz de façon locale. L'expert rizicole croit fermement au développement de la riziculture dans notre pays. Il pense que c'est une activité à laquelle devraient s'intéresser les jeunes. Pour toute la phase végétative du riz, vous avez à peu près 60 jours de travaux intensifs. Pour un jeune qui veut faire la riziculture, qui a le courage et qui part jusqu'à même à 4 hectares, d'exploitation, c'est un cadre qui va empocher au moins 400 000 francs, voire 500 000 francs chaque fin du mois. Le conseil régional présidé par Richard Alain Donwahi marque sa présence à cette première édition du MIVA pour accroître les opportunités d'échange économique et socioculturel. En plus du riz Mayo, le conseil régional de la Nawa expose d'autres produits tels que les instruments de musique traditionnelle, le masque bété, la lampe tempête, le savon à l'huile de palme. Un mois et demi après la clôture du marché des arts et du spectacle africain, le MASA, les acteurs culturels et le ministre de tutelle dressent un bilan. Bilan jugé positif selon Maurice Bondama, qui estime que la reprise du MASA a contribué au repositionnement culturel de la Côte d'Ivoire. Diane Mouigna et Serge Coléa. Organiser un MASA en 2014 avec un budget de 1,3 milliard de francs CFA. Pourtant, à la première édition en 1993, un MASA de moins grande envergure, un minimum de 3 milliards de francs CFA, ont été dégagés. Préparer l'événement en seulement 10 mois quand il en faut 24. Il fallait le faire et la Côte d'Ivoire, qui tenait à relancer le marché des arts et du spectacle africain, a relevé ce défi. Faire renaître au prix de 1000 difficultés le MASA. C'est un massa du succès, un massa des défis relevés, un massa de la gageure gagnée. C'est donc un retour gagnant de la Côte d'Ivoire sur la scène internationale des arts du spectacle. Nombreux
étaient ceux qui avaient prédit un échec. Nous étions seuls à y croire. Le Massa 2014 a battu tous les records d'audience, a indiqué le ministre de la Culture et de la Francophonie. Aujourd'hui, l'événement se positionne comme un des plus cotés en Afrique. Le Massa a pu être vu par pas moins de 50 millions de personnes sur les antennes de la RTI. Les télévisions ont retransmis de larges pans du Massa. Le ministre Youssou N'Dour qui me disait, monsieur le ministre, c'est un des plus grands événements que j'ai pu voir en Afrique ces 5 dernières années. 1500 festivaliers et une soixantaine de troupes artistiques sont venus d'une trentaine de pays du monde entier. La Côte d'Ivoire a pu, à l'occasion de ce Massa, vendre ses atouts touristiques et culturels. L'industrie hôtelière et la restauration ont tiré un grand profit de ce Massa. Désormais, la Côte d'Ivoire, à l'instar des pays touristiques comme le Maroc, a indiqué le ministre, doit promouvoir sa culture et à travers elle, son tourisme. Et ce bilan du Massa 2014 referme la page culture de cette édition. Au Mali, la passation de pouvoir entre l'ancien Premier ministre Oumar Tatamli et son successeur Moussa Mara s'est déroulée ce 9 avril. Le nouveau Premier ministre malien n'a pas encore annoncé la composition de son nouveau gouvernement, mais il a prononcé son premier discours présentant les grandes orientations qu'il compte suivre avec en ligne de mire la sécurité et la réconciliation. Moussa Mara, nouveau Premier ministre malien, a été reçu mercredi par son prédécesseur. À l'issue de la traditionnelle cérémonie de passation de pouvoir, le nouveau chef de l'exécutif malien a développé au cours d'une conférence de presse les 6 axes prioritaires définis par le chef de l'État. Restauration des institutions, sécurité, réconciliation nationale, éducation, relance de l'économie et développement social. Le futur gouvernement chargé de mettre en musique cette politique sera dévoilé dans les prochains jours. En Guinée, les autorités changent de stratégie dans la campagne de sensibilisation contre la fièvre Ebola, des séances de sensibilisation des routiers et transporteurs, des leçons dans les écoles et des émissions de radio sur la maladie seront animées par les agents de santé pour familiariser les populations avec cette maladie mortelle. C'est la première fois qu'ils descendent ensemble sur le terrain depuis l'apparition en janvier du virus Ebola en Guinée. L'archevêque de Conakry et l'imam de la grande mosquée Fessal arrivent à l'hôpital national d'Ankan en compagnie du ministre de la Santé. Les deux dignitaires religieux assistent à un briefing avec le personnel de Médecins sans frontières. But de leur démarche, s'informer pour mieux sensibiliser les chrétiens et musulmans à la prévention de l'épidémie de fièvre hémorragique. J'ai dit aux populations guinéennes de rester calmes, de connaître qu'on n'est pas ici abandonné comme ça. On est dans la main des autorités compétentes. Nous invitons aussi le peuple de Guinée à se tourner vers Dieu. Parce que l'homme peut travailler, l'homme peut faire bien des choses, mais c'est Dieu qui fait que le travail porte des fruits. Outre l'implication des chefs religieux, le changement de stratégie dans la campagne de sensibilisation sur Ebola se traduit par la mise à contribution des médias privés. Merci d'être à l'écoute de ce programme spécial FM, cette synergie FM contre Ebola. Dans le studio, plusieurs spécialistes de Médecins sans frontières et de l'Organisation mondiale de la santé délivrent des messages sur les mesures à observer pour stopper la propagation du virus Ebola. Ce programme d'information sur l'épidémie est diffusé simultanément sur les antennes d'une dizaine de radios et télévisions guinéennes. Nous pensons que c'est la meilleure plateforme que notre Union pourrait offrir au service de la Guinée, de sa santé. Ce clip enregistré en langue locale et en français par de grands noms de la musique guinéenne invite la population à suivre les consignes pour éviter d'attraper le virus Ebola. Sa diffusion marque la montée en puissance de la campagne de sensibilisation déclenchée il y a quelques semaines par les autorités. Il ne faut surtout pas se laisser aller à la fatalité. On s'en sortira. Enfin, 11 800 casques bleus, dont 1 800 gendarmes et policiers, vont intégrer d'ici à septembre 2014 la mission multidimensionnelle intégrée de stabilisation des Nations Unies en République centrafricaine, la MINUSCA. Une décision tant attendue des Centrafricains qui se sentent de moins en moins en sécurité depuis le départ de la MISCA des troupes tchadiennes.
Fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez le revoir sur www.rti.ci. Excellent week-end à tous.